Bonne nouvelle pour le Bitcoin. Et enfin, et encore bonne nouvelle pour le projet Ripple. Que se passe-t-il concrètement? Vous allez découvrir tout cela dans cette vidéo. Il y a de nouvelles extraordinaires, très douces et de nouvelles intéressantes sur le projet Ripple et le Bitcoin. Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Les gars qui parlent de Bitcoin parlent d'une chute. Mais quelles sont ces nouvelles-là qui font chuter le Bitcoin? Le Bitcoin qui était tout à l'heure, hein, depuis quelques jours, à presque 35 000 dollars et n'arrive pas à passer le cap de ces 35 000 dollars réellement. Et certaines personnes sont en train de dire, attention, que les ETF, hein, les ETF ont été approuvés. Et après, donc, il y a des rumeurs. Les gars, vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. D'abord, avant de commencer, nous allons parler du livre blanc du Bitcoin. On rend hommage, hein, au grand livre blanc du Bitcoin, hein, qui explique, hein, comment fonctionne cette technologie-là. Et ça fait déjà 15 ans déjà, les gars. 15 ans, hein, que voilà, cette monnaie digitale, le Bitcoin, a presque, hein, essayé de nous séduire et séduire la finance de ceux qui veulent te séduire. Au même moment, nous voyons certains pays comme le Royaume-Uni qui ne cessent tant bien que mal de mettre des petits freins, hein, à cet écosystème. Les gars, avec ou sans, le Bitcoin arrivera là où elle arrivera. Donc, ceux qui sont ici pensent, hein, que, voilà, malheureusement, le Bitcoin, elle l'a juste pour spéculer. Non, le Bitcoin est plus, va au-delà même de la spéculation, parce que le Bitcoin, c'est l'innovation en question, l'innovation de la finance en question. Donc, ceux qui sont ici et qui veulent, hein, mieux comprendre des crypto-monnaies, il faut comprendre avant d'investir, pas investir après comprendre. Non, ne faites pas ces erreurs-là. Alors, donc, on continue. Les gars, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous connaissez ce monsieur-là? Attention, vous connaissez ce monsieur-là? Warren Buffett. Qui ne le connaît pas? Non, le grand investisseur, l'investisseur le plus grand, le plus chic, le plus stratégique. Les gars, ce n'est pas parce que il sait pas, je ne dis pas qu'il n'est pas. Le gars est très intelligent et en plus encore très sage. Parce que vous savez, il nous dit, même si tous les bitcoins revient à 24 dollars, tout le total sur plein, il n'achètera même pas le Bitcoin. Et vous savez, c'est les crypto-monnaies qui le rendent riche. Aujourd'hui, ses actions dépassent largement Amazon et Apple. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Les gens se disent, mais pourquoi? C'est parce qu'il a été stratégique. Il a dit, et comme les gens le suivent, les grands investisseurs aiment suivre du suivisme sans réellement comprendre des risques qui se passent. Il a dit que le Bitcoin, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas investir dans le Bitcoin. Mais lui en question est parti. Écoutez bien. Lui en question est parti acheter une ou bien a investi de grosses sommes d'argent dans une société, dans une banque. Parce que lui, il investit son argent plus dans les banques. Dans une banque qui, hein, offre des crypto-monnaies à leurs clients. Et ça l'a donné un retour brut de plus de 130 millions. Sans même toucher aux crypto-monnaies. Donc, il a été malin. Il est parti investir là où toi, tu n'investis pas. Là où il t'a dit de ne pas investir. Il est parti dans une société qui investit dans les crypto-monnaies. Donc, lui ne veut pas ou bien te décourage pour investir là. Mais lui va derrière investir. Ça, c'est un crime. C'est un crime. Moi, je dis c'est un crime. Mais c'est un crime légalisé. Parce que c'est un tout-puissant. C'est tout-puissant. Donc, nous sommes en train de voir que les actions de Nubank sont en train de monter. Parce que les gens sont en train de comprendre maintenant que les crypto, les banques, hein, digitales qui offrent les crypto-monnaies à leurs clients aujourd'hui sont mieux placées, sont mieux, hein, sont ces banques-là qui vont en quelque sorte s'en sortir. Attention, sont ces banques qui vont s'en sortir. Donc, elle, déjà, Warren Buffett, lui, il a déjà mis son argent dedans. Donc, Nubank, ce n'est pas n'importe quelle banque, c'est une banque qui offre, qui vend et achète les crypto-monnaies. Pas seulement le Bitcoin, Ethereum, Polygon, Uni, Litecoin, Doge et Solana. Et donc, c'est une banque qui
permet aux gens d'acheter devant les crypto-monnaies dans la propre banque, mais tu ne peux pas retirer ça pour aller dans d'autres banques. Donc, nous sommes en train de voir que les actions de Nubank sont en train d'augmenter par rapport à Amazon et à Apple qui est en train de dégringoler. Ouais, non? Alors, donc, le gars, il est malin. Donc, voilà, il est malin. Je vous ai compris. Ah, une bonne nouvelle que je dois vous annoncer sur le Bitcoin, mes frères et sœurs. Une très bonne. Les gars, cette affaire des ETF-là qui semble aller. Allez, aujourd'hui, on dit non, c'est bon, les ETF, on les attend, elles n'ont qu'à venir. Les gars, actuellement, là, les gars se préparent à toute vapeur. Hein? Un concurrent de BlackRock qu'on appelle Vanek, un concurrent gestionnaire de fonds, un concurrent de BlackRock, aujourd'hui se décide hein, de commencer par acheter les bitcoins pour le lancement des ETF dans ces documents. Vous voyez que c'est des informations bam, qui sont sorties, mais qui ne font pas trop du bruit. On dit, Vanek commence à acheter des bitcoins pour le lancement hein, de ces ETF qui suggèrent dans ces documents. Vous voyez, donc dans ces documents, ils ont été clairs. Ils disent simplement qu'ils vont commencer. Alors, ils ont publié ce document-là le 27, d'accord? Ils vont et souvent, c'est des documents qui sont publiés où on n'a pas envie de lire parce que c'est trop de pages. Donc, Vanek dit aujourd'hui qu'elle aussi veut acheter. Elle a commencé par acheter les bitcoins pour avoir l'approbation de la SEC américaine sur les ETF. Parce que aujourd'hui, nous voyons déjà la concurrence. Nous voyons déjà combien de fois la concurrence commence par être très rude dans l'écosystème. Tout le monde, hein, personne ne veut se faire compter l'histoire, tout le monde veut vivre cette histoire-là. Donc, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas, qui sont perdus, disent non, la SEC va rentrer, la SEC, quoi. Les gars, c'est les grands gestionnaires de fonds. Et ces gestionnaires de fonds sont hein, des personnes qui détiennent l'argent de grands investisseurs. Donc, alors, ils doivent fructifier cet argent-là pour eux. Donc, ils proposent les produits, les services les plus appropriés, adéquates dans l'écosystème. Donc, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la SEC est en face d'elle plusieurs demandes, des grands gestionnaires de fonds pour servir leurs clients. Les gars, et pour ces bitcoins, vous êtes sans savoir que le bitcoin, il y aura 21 millions seulement de bitcoins en circulation. J'ai dit 21 millions. Imaginez tous ces gestionnaires de fonds qui ont tellement d'argent, assez d'argent pour investir dans les crypto-monnaies. Imaginez si ils sont déjà là. Hein? Imaginez s'ils arrivent à venir. Hein? Est-ce qu'il y aura du bitcoin pour tout le monde? Parce que un seul gestionnaire de fonds peut acheter tout. En tout cas, presque le un tiers des bitcoins. Imaginez-vous si ça arrivait. Est-ce que toi qui me regardes, tu as un peu de bitcoin? Ou bien tu es trop positionné dans les autres altcoins? Les gars, la surprise serait agréable sur le long terme avec le bitcoin. Je dis bien, je répète, sur le long terme avec le bitcoin. Donc, ceux qui pensent que le bitcoin aujourd'hui, c'est mort, c'est fini. Les gars, vous trompez. Vous trompez. Vous devez faire très attention. Alors, je continue la vidéo. Les gars, vous savez très bien que nous faisons des lives tous les jours du lundi à vendredi, si tout va bien. Aujourd'hui, nous allons faire un live où nous allons parler de Baby Doge. À combien Baby Doge peut arriver? Combien de Baby Doge tu dois avoir? Combien de Baby Doge tu dois avoir? Ou à combien Baby Doge peut arriver pendant le prochain boulot? Nous allons faire des estimations. Nous allons parler de beaucoup de choses tout autour du même coin Baby Doge. Alors donc, si tu es un grand investisseur de Baby Doge, suis ce live qui aura lieu aujourd'hui, hein, le 31 octobre à 19h GMT. Donc vous appuyez juste ici et vous allez voir, vous pouvez activer la clochette de notification et commencez par déjà donner des j'aime. Merci beaucoup. Alors, je continue cette vidéo en disant ceci, les gars. On va maintenant parler de Ripple. Les gars, les nouvelles hein, sont impressionnantes. Les nouvelles sont impressionnantes avec Ripple. Les gars, Ripple, c'est une bombe à retardement. Quand ça va péter sur nous tous. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent non, nous aimons les projets avec beaucoup de zéros. C'est qu'il y a beaucoup de zéros qu'on se sent à l'aise. Les gars, ne négligez pas le projet Ripple parce que c'est un projet qui va nous surprendre. Regardez très bien ici. Les gars, regardez très bien ici. D'abord, avant de commencer avec Ripple, tout à l'heure, avant de commencer, vous avez vu que le Ripple était à 5, 595
Voilà, regardez, $595 sur Binance. Regardez, Ripple, $595 et tantôt on voit ça à $5. Non, tantôt on voit ça à $5000. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Ripple à $5900. Le Ripple, vous allez me dire, oui, c'est un problème de virgule. C'est un bug. Tantôt on voit ça à 5000, tantôt on voit ça à 500. Je suis en train de faire la vidéo en direct pour vous. Les gars, c'est en direct. Le prix du Bitcoin, 34200, d'accord? Le prix d'Ethereum, hein, 1792$. Le prix du BNB, 225$. Le prix du Ripple, 5953$. Parce que la virgule, quand on met un point, ça dit que c'est les centimes après, mais la virgule. Donc, le prix de Ripple est entré, vous voyez, mais après 5000, maintenant c'est 596. Vous voyez, est sûrement un bug, hein, les gars. C'est pourquoi il dit, ah, les nouvelles sont très bonnes. Imaginez-vous, imagine-toi, mon frère, ma soeur, toi qui as quelques Ripple, et on te dit que le Ripple, hein, le Ripple est parti à 5, tu as seulement 20 Ripple, hein. Tu as seulement 20 Ripple. Et on te dit que le Ripple est parti à 5000. Les gars, faisons les calculs ensemble. Tu as 20 Ripple et le Ripple va à 5000. Donc, on fait 20 fois 5961. Donc, tu as $119000 avec 20 Ripple. Les gars. C'est pas être de rêver, rêvons un peu. Hein? Nous devons apprendre aussi à rêver hein, pour vivre longtemps aussi bien. Le rêve est permis. Ou, supposons, tu as 5 Ripple, on dit que ça fait 596. Tu as $11000, les gars. Presque 11920$, les gars. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là, d'accord? Le prix peut changer. Mais est-ce réellement le prix de Ripple? Non. Le prix de Ripple, réellement, est à combien? Est à 59 centavres, presque 60 centavres de dollars. Donc, ça veut dire que Ripple se prépare à une surprise pour nous, les gars. Déjà beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes ont commencé par voir Ripple avec un œil. Parce que Ripple aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, c'est le sauveur des banques. Les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne dis pas d'aller acheter les Ripple. Attention, je tiens aussi à vous dire une chose hein, avant de continuer l'analyse. Ceux qui veulent se former, si tu veux avoir la bonne formation, les bonnes analyses, hein, les bonnes décisions à prendre, clique sur le premier lien de la vidéo là, ce lien là. Il y a déjà plus de 1709 personnes. Est-ce que tu as rempli ce formulaire? Si tu n'as pas encore rempli, alors mon frère, tu vas rater ce boulot. Malheureusement, tu vas le rater. Et nous ne voulons pas que tu puisses rater. C'est pourquoi nous t'invitons en ce moment-là de cliquer sur le premier lien, de remplir ce formulaire et de nous joindre, de te joindre à nous dans notre groupe VIP où nous allons te préparer psychologiquement, mentalement aussi, dans tout ce qui pourrait arriver dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Déjà, nous sommes déjà en train de préparer les investisseurs là-bas concernant la vidéo là, cette vidéo là. Ah, je suis sûr que tu l'as raté. Aïe, 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 aïe. Si tu l'as raté, tu vas te mordre les doigts ici. Mémé quoi, mémé va te rendre riche. Token fee. Donc, nous préparons déjà tous les investisseurs crypto sur certains crypto-monnaies. Comment investir, les stratégies nécessaires à avoir pour ne pas être hein, celui qui va pleurer demain. Alors donc, toi là, qui me regarde, est-ce que tu es dans notre groupe? Si tu n'es pas dans notre groupe, mon frère, fais vite, viens te joindre à nous afin de mieux comprendre. Alors, je continue mon analyse sur le Ripple. Déjà, nous voyons qu'il y a déjà, le Ripple a déjà fait plus de 8% aujourd'hui au moment où il fait cette vidéo, 9%. Nous sommes, elle, en train de corriger. Beaucoup de personnes disent clairement que le Ripple va nous surprendre. Et nous sommes en train de voir ces surprises. On dit, le mois de novembre, hein, c'est-à-dire le mois prochain, le Ripple pourra-t-il arriver à $2? Tout porte à croire que le Ripple peut arriver à $1 ou à $2. Mais nous sommes en train de voir un petit bug, d'accord, sur Binance. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, au moins rêvons un peu. Mais quand tu cliques sur ça, là, c'est fou, hein, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Quand tu cliques sur ça, là, tu vois maintenant le vrai prix de Ripple ici. Hein. Donc, sûrement, c'est une, voilà, un petit problème au niveau de, voilà, de leur configuration, de leur API, je ne sais pas. Mais, de toute façon, on voit le Ripple à ce prix que je suis en train de vous montrer. Maintenant, ça revient à la normale. Voilà, et c'est revenu à la normale. Hein? On va faire comment? On est déjà dedans bien. Alors, donc, je continue à aller sur Ripple. Imaginez-vous si Ripple arrive hein, à $1. Oui, à $1. Imaginez-vous ceux qui ont mis des milliers,
2 dollars dans Ripple. Comment ils vont se sentir? Voire même à 2 dollars, attention, à 2 dollars, imaginez-vous. Attention, donc Ripple, c'est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Donc, il faut attendre le pire, toutefois, en espérant le meilleur. Je vais dire encore quelque chose sur le Ripple. Vous êtes sans savoir qu'on a fait une vidéo de façon détaillée sur cette chaîne, parlant encore et en détail de Ripple. Ripple aujourd'hui est en train de chercher, quand nous allons sur leur tweet officiel rapidement, on va voir, oui, ici, ah oui, ici, voilà, rapidement. Vous allez voir que le projet Ripple aujourd'hui est à la recherche des partenaires qui sont dans le système bancaire. Attention, je viens de parler du Bitcoin avec Warren Buffett. Donc imaginez-vous, donc le projet Ripple aujourd'hui est en partenariat avec XY, XY. Nous sommes en train de voir, c'est des partenaires avec des banques. Hein? Fubon Bank. Nous sommes en train de voir, je crois bien c'est en Chine, je crois bien. Nous sommes en train de voir des partenariats qui se nouent avec Ripple dans tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Hein, les gars, franchement, Ripple peut toutefois te nous surprendre. Ripple peut te surprendre. Ripple peut me surprendre. Est-ce que tu es préparé à la surprise de Ripple? Est-ce que tu es préparé à la surprise agréable, hein, que peut t'offrir le projet Ripple ou le projet ou le projet ou le Bitcoin? Alors, restez focus sur cette chaîne. Donnez j'aime à cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci pour ton abonnement sur cette chaîne. Et nous allons venir de temps en temps pour te donner des informations en temps réel. Je dis bien, en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout de la technologie blockchain. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao. Et regardez très bien. Attention, regardez très bien. On nous dit ceci. Oui, Ripple est déjà dans plusieurs localités, les gars, franchement. Hein? Et Ripple est en train d'engager. Hein? On dit 50, hein, 50 vagues, hein, sont ouvertes dans 15 locales. Les gars, tu es ingénieur, tu es dans le marketing. Donc Ripple est en train, hein, de, je sais pas, de donner, d'offrir du travail aux gens. 50 vagues. Les gars, Ripple, je crois bien que ça va chauffer. Je pense que tu t'es préparé. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.